Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme, que vous allez vraiment très très bien en ce grand jour, ce grand jour, c'est jeudi et donc c'est le jour du sketch. Voilà. C'est le jour du sketch, nous sommes le 26 septembre et donc c'est l'anniversaire de Frédéric Renaud HHH263. Je suis obligée de lire, hein, il y en a beaucoup. Hein. Anniversaire de Frédéric Renaud HHH263, anniversaire Dolores Tillot. Hein. HHH 217 et enfin Delphine Perron-Cagin HHH 222. C'est sport dès le matin, c'est sport. C'est mes abdos du matin, vous savez. Donc, bon anniversaire à toutes les trois. On vous fait tout plein de gros bisous, bisous, bisous. On vous souhaite une très belle journée et tout le bastringue. Hein. Ensuite, c'est la Saint quoi aujourd'hui? C'est la Saint. Comme. C'est la Saint Côme et la Saint Damien. Damien. J'en ai connu un, Damien. Ouais, il m'avait dit que j'avais des belles mains. N'importe quoi. Il le pensait. Il m'avait dit j'avais des belles mains. Je me rappelle que de ça. Parce qu'en fait, je vous raconte, ah, vite fait comme ça, vite fait. En fait, il m'aimait pas du tout, du tout, du tout. Non, il était très, très amoureux de ma petite sœur. Et puis, ma petite sœur, elle était très mignonne, mais vraiment très jolie. Ma petite sœur, elle était vraiment mignonne. Vraiment, c'était une jolie fille. Et du coup, elle avait beaucoup, beaucoup de succès. Et alors, ce Damien-là, il était très amoureux d'elle. Donc, elle était sortie avec lui comme ça, hein, parce que, elle avait beaucoup d'amoureux, ma soeur. Et donc, il est sorti avec elle. Mais elle, s'en foutait, quoi. Elle est passée de l'un à l'autre. Vous voyez bien, quoi. Hein, ouais, voilà, elle en profitait. Elle était mignonne, quoi. Et ben, pour essayer de... Mais le temps que je me rende compte, vous savez. On est... Enfin, moi, je suis un peu naïve et con. Hein. Et donc, il me draguait pour rendre jaloux ma petite sœur, en fait. Il m'avait dit que j'avais des belles mains, ça m'avait marqué. Mais moi, je lui avais dit gentiment, je sais plus comment ça s'était passé, mais j'avais dit, bon, c'est bon, t'arrêtes de te foutre de ma gueule. Parce que je suis naïve et con, mais pas tant que ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est normal, on fait un peu confiance aux gens. De prime abord, on fait confiance, on donne, enfin, moi, je donne facilement ma confiance, puis après, je la retire. Je suis un peu système à l'américaine, moi. Je suis un peu comme ça. Je fais confiance aux gens et si je vois qu'ils se foutent de ma gueule, hop, je... Voilà, c'est ça. Alors que le français, lui... Enfin, le vrai... Pourtant, je suis française. Ce que je veux dire, les Français, ils ont tendance à dire « Oh non, non, c'est bizarre, c'est louche. Oh non, oh non, oh non, oh non. » Voilà. Le français, c'est une personne qui se méfie déjà. Pour avoir la confiance de quelqu'un, c'est compliqué, normalement. Enfin, je crois, hein, je crois, hein, je crois. Enfin, vous savez, c'est comme pour trouver du travail. Aux États-Unis, les CV, bon, certains domaines, ils vont sûrement vous en demander, hein, si vous voulez travailler à la NASA ou je ne sais pas quoi. Mais je veux dire, en général, on vous donne votre chance. Et puis, si on voit que ça colle pas, hop, on vous vire. Mais en France, pour avoir un travail, il faut un CV comme ça. Non seulement faut avoir l'expérience, faut machin, faut truc. C'est compliqué, quoi. Après, on s'étonne qu'il y a du chômage. Mais bon, il faut des CV pas possibles, avec une expérience pas possible. Les jeunes, ils sortent de l'école, ils ont 20 ans. Vous voyez ce que je veux dire? L'expérience. Enfin, bon, bref, peu importe. C'est ça. C'est un long sujet. C'est un sujet délicat. Bon, enfin, bref, vous avez compris. Je sais pas pourquoi je suis partie dans tous les sens, comme d'habitude. Parce que rien me... donc, ah oui, Damien, je vois pas, on est parti vachement loin. Non, je sais pas. Damien et Côme. Côme. Ça, c'était, vous savez, vous connaissez cette chanson-là? C'était, comment il s'appelait là? Oh, et une fois, j'étais sortie déguisée, habillée comme lui. Hein. Boy George. Hein, Boy George. C'est ça. C'est ma génération, ça. Boy George. Oh non. Bon, bref. Je crois que j'ai pas vraiment changé, j'ai toujours été. J'en ai fait des. Pas des bêtises méchantes, hein, mais des conneries. J'en ai fait des conneries. Des n'importe quoi. Des n'importe. Pour faire rire la galerie ou trucs comme ça, quoi. C'est ça.
Bon, allez. Allez, ça suffit maintenant. Allez, un petit pan-pan. Allez, pan, on y va. Hein, allez, une policière arrête un automobiliste. Hein. Vous n'avez pas vu que le feu était rouge, monsieur? Veuillez m'excuser, madame, mais je suis daltonien. Quel est le rapport? Vous allez me dire qu'il n'y a pas de feu de circulation à Daltonie? Bon, allez, on y va, c'est parti. Ah, ça suffit, surtout que là, je vais m'amuser. Et alors, on va amuser les enfants. Je sais, ça n'a rien. C'est pas mercredi, mais on s'en fout, hein, c'était hier. Mais ce que je veux dire, c'est une carte qui est bien pour les enfants, ça. Enfin, mon inspiration à moi. Hein, parce que c'est le jour du sketch. Et le sketch, c'est ça aujourd'hui. Regardez, regardez, regardez. Oh, bah si, oh, bah si. Si, 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 ça fait penser à quelque chose, ça. Oh, bah si. En tout cas, moi, je vais faire ça, c'est sûr et certain. Ça me fait penser à une momie, mais ainsi des bandages, tout bastringue. Oh, c'est génial. Moi, je vais faire ça. Puis je la fais à ma façon. Non, mais dites donc, j'ai le droit. Hein. Voilà. Alors, c'est des bandes comme ça. Alors, vous pouvez utiliser. Bon, alors moi, je vais faire une momie. J'ai le droit de faire une momie. Non, mais dites donc. Par contre, ce que je veux dire par là, vous pouvez. Attendez. Hop. Vous pouvez prendre des washi, des bandes de papier, vous pouvez, j'en sais rien moi, hein, je sais pas ce que ça vous inspire moi. Hein. En tout cas, c'est géométrie, hein, hein, c'est des bandes, des bandes, des bandes, hein, voilà. Hein. Allez, moi j'y vais et je fais mon truc là, je m'éclate, hein, je m'éclate, je m'éclate. Voilà, c'est l'occasion d'utiliser ces chutes de papier qu'on n'aime pas vraiment. Enfin, c'est pas qu'on n'aime pas, moi j'aime bien celui-là, mais je sais pas ce que j'ai fait avec. J'ai dû vouloir faire quelque chose, vous voyez. Je l'ai rainuré, je sais pas, je sais rien. Peut-être que je me suis aperçue qu'il s'abîmait ou j'en sais rien, je sais pas. Vous savez, des fois je teste des trucs et puis quand ça va pas comme je veux, je le fous de côté. Et justement, je vais m'en servir parce que vous voyez, il est foil, nanana, il est rose, machin, et puis de l'autre côté, il est blanc. Ça m'intéresse. Et puis il est blanc et puis voilà. Allez. Comme d'habitude, je mettrai le sketch sur la communauté, hein, en photo, photo, photo. Alors, donc, moi, je prends une base toute prête, parce qu'elles sont toutes prêtes. Je ne veux pas me casser la tête à les faire, mais bon, hein, vous faites la base que vous voulez, c'est toujours pareil. Hein, faites ce dont vous rêvez. Hein. Alors, un morceau de 10 sur 10, 10, 10, 10. Alors, attendez, comment je vais m'organiser? J'en sais rien. Enfin, j'en sais rien. Je vais voir si ça peut faire deux bases. Ouais, je vais faire ça, parce que je collerai ma base à la fin. Donc, 10 sur 14,5, hein, comme d'habitude, non, j'imagine. 10 sur 14. Je vais faire, attendez, je réfléchis. 10, ouais, 10 sur 14. Allez, je vais prendre dans cette base-là un morceau de 10 sur 14. Allez, c'est pas très beau, mais on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. Justement, c'est l'occasion, vous savez, moi, je réfléchis toujours à le jeudi à utiliser des trucs que bah, qui. Que... 10 sur 14. Je vérifie que ça colle sur ma machine, là, que ça dépasse pas ni d'en haut ni d'en bas. Voilà, c'est vraiment à la perfection presque. Hein. Attendez. Voilà, super. Voilà, ça va être beau. Hein. Oh là là. Ça va être beau. Et là, je vais faire un 10 sur 14 aussi. Alors, si, si, je vais faire ça, vous allez voir. 10, alors, 10 comme ça. Ouais, 10 comme ça. On s'en fout de toute façon, je viens de dire ce que je vais faire. 10, hop. Sur 14, pareil. Je fais ça. Hein? Regardez. Je fais deux bases qui font exactement pareil. Voilà, parfait. Et ça, je le fous en l'air parce que c'est vraiment, hein, on est au bout du bout. Hein. Et là, hein, je vais faire des bandes. Alors, je pourrais très bien faire des bandes bien coupées. Je pourrais. Pour respecter là le fait que ce soit bien droit. Oh, je vais essayer de respecter au moins les lignes droites. Parce que, vous savez, je voulais déchirer comme ça. Mais je vais respecter les lignes droites. Alors, je vais faire des bandes là-dedans. Allez, faisons des bandes, faisons des bandes. Alors, je vais faire des bandes dans son dans son sketch, ces bandes, elles font 1,5 à peu près. Allez, on va faire des bandes d'1,5. Alors, allez, c'est parti. Je fais des bandes d'1,5 très régulières. Allez, très régulières. Hein, même si c'est pas ça que je voulais faire, ça va aller. C'est parce que ça fait plus joli quand on déchire. Hein. 1,5, 1,5. Hop. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà, ça va être super, super, super pour utiliser ces chutes de papier ou ces papiers qu'on n'aime pas. Hein, et que d'un côté, ils sont blancs et de l'autre côté, ils sont décorés d'un truc qu'on n'aime pas. Enfin, moi, je fais ça. C'est toujours une idée. Après, vous. Hein, c'est toujours pareil. Hein. Moi, je l'ai découpé bien, bien, bien propre, là, mais je vous dis, hein, vous pouvez déchirer un peu comme vous voulez, non? Bon, allez, on respecte, hein, d'accord?
1,5, 1,5, hop, et voilà, et c'est bien, je vais mettre toutes ces bandes-là. Mais avant de les mettre, oh, tiens, je vais la recouper un petit peu en deux, celle-là. Ouais, ouf. Non, non. Alors, ça me gratte sous les bras. Ça, c'est, quand ça vous gratte sous les bras, c'est que vous allez toucher de l'argent. Ben, le bras gauche, attention, hein, parce que le bras droit, vous allez en donner. Si, si, hein, hein. Vous avez compris, quoi. Allez, maintenant, je prends mon encre Distress au Versafine, là. Parce, ah, j'en ai peut-être, attendez, attendez. Je préfère, parce que utiliser la Versafine, je ne suis pas très fan. Fan fine, vous avez compris? Fan fine. Oh, vous dites que c'est très drôle, hein, parce que dites donc. Hein. Je vais prendre mon encre de chez Action, là, je pense que ça va la terminer, ça va la finir, ça va la finir. Ça va la finir, ça va la finir, parce que j'ai plus beaucoup d'encre là-dedans. Là. Bon, je peux m'en servir pour plein d'autres choses, mais. Je vais prendre, ça c'est mieux que la Versafine. Enfin, c'est mieux que la Versafine. Non, c'est pas mieux que la Versafine, mais par contre, c'est très bien pour faire ce que je vais faire. Alors. Je vais ancrer tous mes. Alors, je vais me foutre sur un truc. Je vais en foutre partout sur ma plaque là. Puis le noir, c'est pas d'après. Enfin bon, tant pis, je vais en mettre. Et je vais ancrer que les bords de mes bandes. Comme ça, un peu comme ça là, comme ça. Hein, un petit peu, mais pas trop. Hein, un petit peu. Alors c'est pas très bien ça pour faire ça. Non, c'est pas très bien, c'est pas grave. Hein. C'est parce qu'il faudrait juste un petit doigt là. Un petit doigt. Ceux qui prennent la vidéo en ligne en cours de route, hein, quand je mets à la 10e minute, à la machin, et puis qu'ils disent juste un doigt, hein. Un petit doigt, vous savez, ça suffirait pour faire juste les bords là, ou hein. Hein, vous faites, enfin, vous faites ça, non, je fais ça, je veux dire, moi je fais ça m'a inspiré ça grave. Là, hein. Ah, bon, c'est pas dur de faire ça, les enfants. Ça, non, les... Alors, moi, je fais noir parce que c'est Halloween. Je fais Halloween. J'ai le droit de faire Halloween. On fait ça. Hop. Je sais pas si j'en aurai assez des bandes, du coup. Parce que j'ai pas compté combien il y en avait. Parce que ça fait un peu des bandes, puis d'un seul coup, comme elle les croise, ça fait un triangle. On fait ce qu'on veut, hein, dites donc. Il hein. Y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Je fais ça, moi. Voilà. Et puis on verra ce que ça donne. Ah, d'accord, c'est ça. Si ça n'allait pas, j'en referais d'autres, bien sûr, si ce n'était pas suffisant. Je fais attention de ne pas salir mes bases de cartes blanches. Voilà, hop. Voilà, là, c'est à la portée de tout le monde de faire ça. Voilà, hop, c'est bon. Allez, on verra si on en a assez. Si on n'en a pas assez, j'ai le hoquet, moi. C'est le café qui vient de passer dans le gosier. Hop, alors, j'efface. Je nettoie ça parce que le noir, ben, c'est noir. Noir, c'est noir. On est un peu d'espoir. Voilà, hop. Voilà, j'en ai plein les doigts, donc ma carte, elle va être. Oh là là, quelle misère. Alors, on fait ça. Ensuite, on prend notre base, là, à queue. Et là, nous allons à queue. Je vais poser des yeux comme ça, vous savez. Hein. Alors, des yeux, on en a toutes sortes. Hein. Toutes sortes, toutes sortes, toutes sortes. Moi, je vais mettre des gros yeux bleus comme ça. C'est Isabelle. Isabelle a les yeux bleus. Les yeux bleus, Isabelle a. Et ses yeux, ils sont autocollants. Donc, on retire la pellicule et puis on fout les yeux où on veut. Hein, comme ça là. Hop là. Oh là là. Hop, et là. Des fois, ils se retirent bien les films, et puis des fois, ils se retirent pas bien, mais normalement, ça le fait. Hein. Voilà, hop. Hop là. Impeccable. Deux freins. Allez, on met les yeux comme ça. Je les mets côte à côte comme ça. Voilà. Hop là, oh là là. Ah, ils sont beaux, regardez, les yeux bleus. Les yeux bleus. C'est mignon. Et là, ben, on va coller nos bandages comme ceci. Alors, est-ce que ça va être assez? Oui, on me disait que c'était bien. J'aurais dû les faire un petit peu plus long et puis couper à la fin, mais bon, oh, ça ira. Ça ira, ça ira. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Tagadagada, tagadagada. Allez, on colle. Allez, tout simplement. Tout simplement. Est-ce que je vais avoir assez de colle? Je vais prendre cette colle-là pour la finir. Ah, tout simplement. Je pense que j'en aurai pas assez. Je vais être obligée d'en refaire des bandes. Je pense que je n'en aurai pas assez. Alors, le mieux, c'est peut-être de comment dirais-je, de, qu'est-ce que je voulais vous dire là? Je sais plus, dis donc. Je voulais vous dire, oui, de faire des bandes un peu plus longues et puis de couper tout autour de la carte après. Hein, mais bon, oh, ça va aller. Hein. Ouais, ça va aller. Hein. C'est une petite cartounette comme ça, toute mignonne, toute mignonne.
Moi, ça m'a inspiré ça. Me suis dit que j'allais faire ça. Toc. Ensuite, on va les mettre comme ça, là, ou comme ça. Après, il faut croiser pour respecter un peu les... Hein, on croise et puis on veut cacher, tout le... Oh, déjà là, ça me fait rire. Si, déjà là, ça me fait rire. Un peu de colle. Wop. On croise comme ça. Alors là, je respecte pas l'alignement des bandes. Hein. Je veux dire, ça m'a inspiré ça. Après, on fait un peu comme on veut. Hein. C'est pas, hein, on fait ce qu'on veut, c'est pas grave. Hein. C'est hyper facile, ça. Alors là, les enfants, ils peuvent s'amuser à faire ça, vraiment. Comme ça, je vais en mettre une comme ça. Un peu au travers. Hein. Un peu au travers comme ça. Non, comme ça. Hop. Voilà. Ensuite, je vais mettre là comme ça. J'en aurai pas assez, je vais en refaire. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Très bien. Enfin, très bien. Je vais en refaire. Hop. C'est hein, c'est tout un art de poser des bandelettes, hein. Ah, c'est tout un art, hein. Hop, hein, comme ça là, je vais faire passer par en dessous. Hop là. Non, très bien. Voilà. Ensuite. Hop là, on fait ça, hein, hop. Ensuite, on fait ça, là, comme ça par-dessus. Oh, j'adore, c'est trop chouette, c'est trop sympa, c'est trop rigolo. Vous voyez, alors je vais refaire des bandes parce que vous voyez, j'ai pas assez. Oh, c'est trop bien, j'adore, hein, ça fait de l'effet. Ça fonctionne toujours, ça, pour Halloween. C'est hyper facile, hyper ludique. Alors, je vais en refaire quelques bandes. Je vais peut-être mettre sur pause le temps de refaire des bandes. Je coupais un morceau pareil, hein, parce que je vais rester sur le. Ou alors. Je l'ai fait un petit peu plus grande. Qu'est-ce que vous en... Enfin, je peux le faire avec vous, mais c'est parce que le temps que j'allais chercher une chute de papier, quoi. Moi, ouais, je reviens pas pour longtemps. Bon, voilà, j'ai retrouvé le même, mais hein, je voyais avec des plis. Je sais pas ce que j'avais fait, je ne sais rien. Bon, bref, je les ai découpés là, c'était une grande chute. Je les ai redécoupés, j'ai réancré comme on a fait tout à l'heure. Voilà, hein, c'est tout. Pendant ce temps que je faisais ça, je réfléchissais, vous savez. Vous pouvez faire. Là, moi, je fais sur le thème d'Halloween, là, la petite. Le fantôme, là, quand même. Le fantôme, la momie, le fantôme, n'importe quoi. Vous pouvez vous amuser à faire des fantômes de toutes sortes, de toutes sortes. J'entends par là. Ça peut être une fantôme. Un momie, ah! Une momie, momieux, ça peut être. Les yeux, amusez-vous avec la couleur des yeux. Ça peut être des yeux. Ça peut être très girly. Ça peut être une momie très girly pour Halloween. Ça changerait un petit peu, vous savez, des trucs qui sont. On peut faire un petit truc tout mignon. Le problème, c'est quand on prend des bandes plus grandes, ben voilà, on se retrouve avec de la colle. De la colle. Parce que je mets de la colle partout. De la colle tout partout. On pourrait faire. Voilà, des momies très 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 girly, avec des yeux roses, avec des cils, des machins, ou alors des papiers de couleur, hein, des bandages, parce que là c'est des pansements, enfin ça fait penser à un bandage, donc ça peut être utiliser des pansements, voilà, de couleurs rigolotes, je sais pas, hein, oui, je sais pas, on sait rien, vous avez compris quoi. Je sais pas quoi en fait. J'essaie de vous donner des idées, mais en fait, voilà quoi. C'est parce que je réfléchis comme ça. Je me dis qu'est-ce que pour qu'il y en ait pour tous les goûts quoi. Hein? Après, ça vous inspire peut-être carrément autre chose. Hein? Moi, je sais pas. Attention, 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 attention. Hein, voilà. Moi, je sais pas. Ça vous inspire peut-être carrément, carrément autre chose. Hein? Voilà. Hop, hop. Ah non, je me suis trompée de côté. Je me suis trompée de côté. Ok, dès le matin, je suis pas réveillée en fait, hein, c'est ça. Là, hop, hop, j'ai vu qu'il y en avait un coup là, un coup là, un coup là. Hop là, oh là là, toc, impeccable.
trouve ça rigolo, moi. J'aime beaucoup ce genre de délire. Hein. Hop, là, je vais mettre là. Comme ça, là. Après, je vais laisser sécher un peu, frotter. Là, hop. Après, vous pouvez. Là, moi, je respecte pas. Ça m'a inspiré ça. C'est pour ça que je respecte pas les bandes, comment elles sont et tout ça. Hein. Puisque justement, c'est, je me suis inspirée. Ça m'inspire ça. Voilà. Et puis là, voilà. Je veux dire, la momie, elle est bien emballée, moi. Ah, si, hein, j'ai le droit, hein, je m'éclate. Hop, hop, voilà. Parce que je suis en train de je vais nettoyer parce que j'ai débordé, bien sûr. C'est ma... Oh, c'est trop rigolo. Je vais découper tout ce qui dépasse. Là, je vais nettoyer parce que la colle, vous avez compris, j'en ai foutu partout. C'est le problème de pas découper des bandes à la bonne taille. Ça marche pas, le vapeau, c'est de la drouille. La drouille. Voilà, hop, nous nettoyons ceci. Hop. Voilà, hein, très bien. Impeccable, super. Allez, là, je vais découper ce qui dépasse de partout avec un ciseau qui coupe, n'est-ce pas? Ça va sur les demi-jours, hein? Voilà. Voilà. C'est plus facile de faire ça que de faire ce que j'ai fait tout à l'heure. Les... Mais le problème, c'est que ça. Ouais, voilà quoi. Faudrait faire attention là où on met la colle, tout ça. Ouais, oh. Hein? C'est une petite cartoonette comme ça, juste pour Halloween. C'est rigolo. Hein? On faut pas trop se prendre la tête. Enfin, bon, c'est vrai que moi, j'ai un peu. Prendre la tête, c'est pour tellement mon fort. Là, je coupe bien ça propre. Et alors, ça donne quoi là? Ben, ça donne que c'est pas mal, regardez. C'est rigolo, hein? On aime bien. C'est simple, c'est facile, efficace. Voilà, hein? Et regardez. Et c'est pas super ça? Si, c'est super. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, c'est simple, c'est facile à faire. Je dis, les enfants, ben, c'est très bien. On peut leur faire faire ça. Alors, est-ce que j'ancre un peu les bords comme ça en noir? On peut, hein? On peut. Hop. Voilà. Et puis, je vous dis, vous pouvez vous éclater. Éclatez-vous. Vous pouvez déchirer les papiers sans les couper bien droit, machin, tout ça. Enfin, bon, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Ouais. Après, vous, je sais pas. Dites-moi ce que ça vous a inspiré, ces bandes-là. Hein? Ça peut aussi faire penser à un parquet. Hein? Un parquet flottant. Il flotte. J'ancre un petit peu les bords comme ça, histoire de vraiment faire vraiment la momie qui date des années. Pouh là, voilà, elle est vieille, quoi. Hein. Hop, 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 voilà. Voilà, ça fait vraiment Halloween. Ça fait un, hein, ouais, ça fait vraiment Halloween. Hein. J'avais fait ça cette année, une année, ce genre de petite cartounette là pour Halloween, justement. Il me semble que j'ai déjà fait ça comme ça. Mais là, c'était l'occasion. Hein, voilà, c'est pour ça. Hein. Donc voilà, je vais frotter un petit peu. Hop. Après, on peut mettre un sentiment, bien sûr, Halloween. Hein, tant que ben, je veux dire, hop, vous pouvez, hop, j'essuie un petit peu. Parce que comme c'est du noir, j'ai pas tellement envie d'en avoir partout sur mes. J'aime bien parce que ça étale tout. C'est vraiment super. Super, super. J'adore. Allez, ma base de tout à l'heure est double face terminée. Hop, regardez. Hein, et alors les yeux, ils vont. C'est rigolo. Suivant les yeux qu'on met aussi, ça peut être rigolo aussi. Hein. Du double face, oui, du double face. Hop là. Voilà, hein, un tel pour se débarrasser de nos vieux papiers. Hein. Ouh là là, c'est vraiment le moment d'en profiter. Toc, toc. Boy George.
J'adorais son style, moi. Hein? J'adore. Kanaka, c'était tout à fait dans mon esprit, dans mon état d'esprit comme ça. Alors attendez, parce que le double face il reste collé au. Ça alors. Alors hop là, voilà. Allez! Et ça suffira, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous en pensez que ça suffira? C'est ça. Alors hop, on essaie de bien centrer ça. Hein? La mama, la mama, la momo, la momo, la momie. Oh super, génial, je suis super contente de mon interprétation. Voilà. Ce que ça m'a inspiré, moi, je trouve que c'est super génial, ça fonctionne toujours. Alors on peut se mettre évidemment un petit sentiment boue, Halloween ou je sais pas quoi, bien évidemment. Hein. Moi je vais laisser comme ça, voilà. Bon, c'est sympatoche, c'est rigolo. À vous de vous amuser, je sais pas, dites-moi, hein, voilà, partagez vos créations pour qu'on voit ce que ça vous a inspiré. Hein. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une très belle journée. Hein. Et puis en plus c'est ludique, ça bouge les yeux et tout. Passez une très belle journée et puis on se donne rendez-vous demain. Hein. Allez, bisous, bisous, ciao!